D'habitude, il n'y a que des jeunes filles qui se présentent pour ce travail. Elles tiennent 3 jours. C'est à vous. Qu'est-ce qui pourrait faire que je vous emploie? Vous avez un talent particulier. C'est une curieuse idée d'avoir pris un homme. Pourquoi c'est pas un travail pour un homme? Un homme ne doit pas s'approcher d'une femme dans cet état. C'est arrivé comment? Un accident de voiture il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'elle ressent exactement dans son corps? Rien. Absolument rien. Réveillez-vous! Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Les rideaux, le petit déjeuner, vous savez quelle heure il est? Ça s'est bien passé? Je mange jamais de poisson, c'est trop dangereux. Les arrêtes. Vous allez aller m'acheter un truc là, n'importe quoi, mais pas ça, putain! Je suis juste étonnée qu'elle vous ait pas viré. Vous dites putain tout le temps. Mais je dis ce que je veux, merde! Je vous écoute. J'ai été malade. Premier et dernier avertissement. Prochain retard sans explication valable, vous êtes lourdée. Vous sortez jamais. Qui ça peut vous foutre? Vous êtes garde malade, pas tour opérateur? Votre humour m'emmerde. Donc c'est quoi votre surprise? Qu'est-ce que vous sentez? La transpiration? Non, ça c'est moi. La rose? C'est de la rose? Bravo! Je voudrais que tu me promettes une chose. Si tu devais partir, ne me laisse pas derrière toi.